هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons passer à une autre sourate, à savoir sourate Al-Qadr, qui est la 97e sourate dans l'ordre des sourates qu'on retrouve aujourd'hui dans le Mushaf. Alors dans cette sourate, Allah Azza wa Jal dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors comme d'habitude, on va commencer par la carte d'identité de cette sourate. Et on commence d'abord par les titres qui lui ont été donnés. Le premier titre par lequel elle est le plus connue, c'est sourate Al-Qadr. Sourate Al-Qadr, en référence justement à ce sujet très important, à cette nuit très importante, et qui va être répétée trois fois dans cette sourate. Alors c'est ainsi que la majorité des exégètes l'ont intitulée, parmi lesquels entre le Farra, qui est une référence au niveau de la littérature arabe, qui est mort en 207 de l'Hijr, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, ibn Qutayba, Nasa'i, aussi dans ses Sunan, il la cite ainsi, surat al-Qadr, ibn Jarir Tabari, dans son tafsir, il la cite ainsi, ibn Hazm, l'imam Razi, aussi dans Mafatih al-Ghaib, Zamakhshari, dans le Kashaf, Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, il lui donne deux noms comme on va le voir, et Ibn Atiyya al-Andalusi aussi dans son tafsir. Le deuxième titre qui a été donné à cette sourate, c'est sourate Inna Anzalnahu, en faisant référence aux deux premiers mots du premier verset. Et on a vu que c'est souvent le cas dans toutes les sourates, on reprend la première phrase, soit tout le verset, on reprend seulement la première phrase ou une phrase complète du premier verset. Donc on l'a intitulé Sourate Inna Anzalnahu, nous l'avons descendu. C'est le titre qui a été donné par Abdelrazzaq San'ani dans son tafsir, qui est le cheikh de Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah. C'est le même titre qui a été donné par Nasa'i, par Al-Bukhari, rahimahullah, par Ibn Hajar Al-Asqalani. Donc il l'a intitulé une fois Sourate Al-Qadr, une autre fois Sourate Inna Anzalnahu, et c'est aussi qui a été donné par Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Le troisième titre qui a été donné à cette sourate, c'est Sourate Laylatul Qadr, au lieu de l'appeler Sourate Al-Qadr, Sourate Laylatul Al-Qadr, Sourate la nuit de Al-Qadr. Et c'est ainsi que le Tirmidhi l'a intitulé, ainsi que Ibn Atiyya. Donc Ibn Atiyya l'a intitulé de deux manières. Donc il l'a intitulé, comme on l'a vu tout à l'heure, donc Sourate Al-Qadr, et il l'a intitulé aussi Sourate Laylatul Al-Qadr. Il en est de même pour l'imam Jassas, rahimahullah, et Ibn Kathir aussi dans son tafsir. Alors concernant la période de révélation, donc là aussi les savants ont divergé sur la période où cette sourate fut révélée. Donc pour certains, c'est une sourate mécoise. Il a été révélé lors de la période mécoise. Et ceux qui ont choisi cet avis-là, on peut citer Jabir ibn Zayd. Jabir ibn Zayd, c'est un tabi'i qui est né à peu près en 20 de l'Hijr et qui était l'élève de Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il est mort en l'an 93 de l'Hijr. Alors ce dernier considère qu'elle a été la 25e sourate à être révélée à la Mecque, juste après Sourate Abasa,
Donc chronologiquement parlant, juste après Sourate Abasa et juste avant Sourate Ash-Shams. Pour d'autres savants tels que Ad-Dahhak, qui est mort en l'an 102 de l'Hégire, ainsi que Al-Waqidi, qui est mort en l'an 207 de l'Hégire, il s'agit d'une sourate médinoise. Et d'ailleurs, même les exégètes, ils divergent. Certains disent, la majorité dit qu'elle est mécoise. Et lorsqu'on lit d'autres exégètes, ils disent, la majorité dit qu'elle est médinoise. Comme ce qu'on a vu d'ailleurs la dernière fois concernant Surat al-Bayyina. Et là, ça montre bien que ceux qui disent, qui avancent ce genre d'argument n'ont pas peut-être cerné tout ce qui a été dit à son propos. Et donc, ils pensent que la majorité a dit cela, alors que c'est un peu partagé entre les deux avis. Et d'ailleurs, ce dernier, ça veut dire l'imam Waqidi, avance qu'elle a été la première sourate à être révélée après l'immigration. Donc lui, il considère que c'est juste après l'immigration, c'est la première qui a été révélée à Médine. Mais pour d'autres qui considèrent quand même qu'elle est médinoise, ils disent non, qu'elle a été révélée beaucoup plus tard, juste après Sourate al-Mutaffifin et avant Sourate al-Baqara, entre Mutaffifin et al-Baqara. Donc vous voyez qu'il y a une grande divergence entre les savants concernant la période de révélation de cette sourate. Alors certains disent que puisqu'elle parle de Laylat al-Qadr qui a un rapport avec le Ramadan, donc c'est plus dans la période médinoise qu'il a été révélé. D'autres se basent sur le caractère numérique de ces versets, puisque ces versets, il y a peu de versets, et ça c'est une des caractéristiques notamment de sourate mécoise. C'est pour cela qu'ils avancent qu'elle est mécoise et non médinoise, d'autant plus qu'elle parle de la révélation du Coran. Alors s'agissant du nombre des versets, là aussi il y a eu divergence entre les différents lecteurs, les grands lecteurs connus, entre ceux qui disent qu'elle est constituée de 5 versets et ceux qui disent qu'elle est constituée de 6 versets. Ça aussi on l'a vu assez souvent, c'est pour cela que le nombre total de versets du Coran, il y a eu une divergence là-dessus, mais la majorité dit qu'en tout cas on dépasse les 6000 versets dans le Coran, et après les savants divergent sur le nombre exact, selon comment on faisait la subdivision. Donc les savants se rapportent sur ce qu'ils ont reçu comme récit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa lecture, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'arrêter à la fin de chaque verset. Et donc c'est selon ce qui leur a été rapporté qu'ils vont considérer que ce verset s'arrête là, ou plutôt il va s'arrêter là. Et c'est là où la divergence peut apparaître selon ce que chacun a reçu comme récit. Donc par exemple, pour les lecteurs de Médine, les lecteurs de Bassora et les lecteurs de Koufa, tous disent que c'est une sourate qui est composée uniquement de 5 versets, comme ce qu'on peut trouver dans le Coran imprimé à Médine, ce qu'on a qui est très répandu aujourd'hui. Mais pour les lecteurs de la Mecque, les lecteurs de Cham, il est constitué de 6 versets. En fait, le 4e verset pour le premier, qui est تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, pour les autres, il divise ce verset en deux. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, il considère que c'est un autre verset. Donc ils n'ont pas rajouté un verset, c'est seulement la subdivision. À quel moment on va mettre le fasé là, la séparation? Est-ce que c'est بإذن ربهم ou bien à la fin jusqu'à من كل أمر? Ou بإذن ربهم من كل أمر, c'est le verset بإذن ربهم من كل أمر. Et cela, c'est-à-dire la manière de mettre le fasé là à un niveau ou à un autre peut changer la signification du verset, comme on le verra tout à l'heure. Alors maintenant, commençons par le premier verset. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Comme on a dit, les savants divisent le Coran en 10 catégories, s'agissant de ce par quoi il commence, ce par quoi la sourate commence. Ils divisent les sourates en 10 catégories selon ce par quoi il commence. Et ici, on commence avec un khabar, avec une information. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ce n'est pas un stifham, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas le huruf al-abjadiyya. Donc ça commence par une information générale, et beaucoup de sourates entrent dans cette catégorie. Donc Allah Azza wa Jalla dit, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Alors Allah Azza wa Jalla ici, il parle du sujet qui est lui, nous.
il parle du verbe descendre, il fait de faire descendre, mais il ne parle pas du complément. Il utilise directement un pronom, le ha. Alors le ha, à l'unanimité des savants, revient au Coran. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas voulu citer ici le Coran. Il aurait pu dire Inna anzalna al-Qur'ana fi laylat al-Qadr, ou bien Inna anzalna al-Kitaba, ou bien Inna anzalna al-Dhikra. Mais là, il n'a pas voulu le citer. Il a dit Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Alors, pourquoi? On peut se demander pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas cité le Coran ici, il n'a pas cité le complément. Alors, c'est pour deux choses. La première, c'est pour montrer l'importance du citer, de ce Coran. Il est tellement important qu'il n'y a pas besoin de le mentionner. Il est tellement important qu'il n'y a pas besoin de le mentionner, puisque dans la conscience de chacun, dans l'esprit de chacun, ça ne peut s'agir que du Coran. C'est à l'unanimité. Et justement, il n'y a pas eu de divergence là-dessus. Sauf on va voir que l'imam Razi, il a donné une signification un petit peu qui diverge avec ce qui a été dit majoritairement. Et cela, on le trouve souvent dans le Coran, où Allah Azza wa Jal parle d'un sujet, mais il parle pas on parle d'une phrase, mais il cite pas le complément. Parce qu'il est évident dans l'esprit de celui qui va lire le verset. Lorsque par exemple Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Waqi'a a dit فَإِذَا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِنَا إِذِنْ تَنْظُرُونَ. Lorsqu'elle remonte à la gorge. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. De quoi il parle ici? Lorsqu'elle remonte à la gorge. Il parle de l'âme, de nefs, lorsque l'âme va sortir. Donc c'est évident qu'il parle de l'âme qui va quitter le corps. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. Donc lorsque la chose est évidente, donc il occulte sa mention. Ou bien parce que la chose est très importante, il a une grande importance, donc Allah Azza wa Jal utilise le pronom sans la citer, pour que les gens se disent mais de quoi s'agit-il, donc on veut chercher c'est quoi, et donc cette importance là donc cette curiosité quelque part va pousser les gens à donner de l'importance à ce qui va se dire après. De plus, lorsqu'on voit l'ordre dans lequel est venue cette sourate, comme on l'a dit souvent, lorsqu'on veut étudier une sourate, il faut toujours voir son sébaq et son lihaq. Son sébaq, ce qui la précède, et son lihaq, ce qui vient après. La sourate qui précède dans l'ordre final du Coran, la sourate qui précède sourate Al-Alaq, c'est laquelle? C'est sourate de sourate Al-Qadr. C'est sourate Al-Alaq. C'est sourate Al-Alaq qui la précède. Et celle qui vient après, c'est sourate qu'on a vu la dernière fois, sourate Al-Bayyina. Dans sourate Al-Alaq, Allah Azza wa Jal, Surat Al-Alaq, de quoi elle parle? Elle commence par les cinq premiers versets qui ont été révélés la première fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. C'est les cinq versets là qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la grotte de Hira. Donc après Allah Azza wa Jal dans cette sourate, il dit inna anzalnahu, ça veut dire ce Coran là qui a été révélé au prophète la première fois, dans ce Rahira, nous l'avons fait descendre quand? Fi laylat al-Qadr, lors de la nuit du destin. Donc la liha revient au Coran qui a été mentionné dans la sourate précédente. Donc on est toujours dans la continuité. C'est comme si on était dans la même sourate. Ce Coran-là, qu'a reçu ces versets-là, ces cinq premiers versets qu'a reçu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont été révélés laylat al-Qadr. Donc là, si on voit ce qui précède. Si on voit ce qui vient après, il y a surat al-Bayyina. Et rappelez-vous, lorsqu'on a dit le Bayyina, c'est quoi? C'est la preuve évidente. Il y a quand même kafar min ahli kitab wal mushrikeena munfakina hatta ta'tiyahum al-bayyina rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima. Et ça fait référence au Coran. D'accord? Donc cette Bayyina-là, c'est celui-là. Le Bayyina a été descendu dans la nuit d'Al Qadr. Le Bayyina a été descendu dans la nuit de Qadr. Donc, les premiers versets les voici dans Surat Al-Alaq. Donc, je vous les montre. Ensuite, je suis en train de vous dire, voilà, voici quand ils ont été révélés, c'est dans le lettre Al-Qadr. Et quel est leur rôle? C'est de donner le Bayyina, la preuve évidente, à ceux à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc, vous voyez qu'il y a une chaîne, une logique qui relie chaque sourate avec celle qui va lui faire
suite. Et là encore, ça rejoint ce qu'on a dit souvent, c'est que le Coran est comme s'il était une seule sourate. Plus que ça, c'est comme s'il était un seul verset. Plus que ça, c'est comme s'il était un seul mot. Plus que ça, c'est comme si c'était une seule lettre. Alors Allah Azza wa Jal dit « Inna ». Inna. Et parfois dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Inni ». Hein? Et on peut se poser la question, pourquoi il utilise une fois la première personne du singulier et il utilise parfois la première personne du pluriel? C'est la question que tu m'as posée une fois, n'est-ce pas? Ben, ça rejoint ce qui était connu chez les Arabes. Chez les Arabes, lorsque celui qui parle a de la notoriété, il peut se permettre d'utiliser le pluriel alors qu'il parle du singulier. Ou lorsqu'on veut s'adresser à quelqu'un qui a de la notoriété, on peut lui parler comme si on parle à un pluriel, à plusieurs personnes. Mais ça, c'est une marque de respect vis-à-vis de notre interlocuteur. C'est comme en français, lorsqu'on vous voit quelqu'un, c'est parce qu'on lui donne de l'importance. Sauf que en français, on ne trouve pas l'utilisation de la première personne du pluriel pour signifier la gloire de celui qui parle et qui n'est qu'un singulier. D'accord ? Mais en aucun cas, on ne peut penser qu'ici, il parle au pluriel. Parce que un chrétien, par exemple, sera toujours tenté de dire, ben, vous voyez, dans le Coran, il parle au pluriel. Ça veut dire qu'ils sont trois, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Non. La preuve, c'est que dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jal montre qu'il est unique. Et non seulement ça, c'est qu'à chaque fois dans le Coran, et ça vous pouvez le remarquer, que Allah Azza wa Jal parle au pluriel de lui, dans les versets qui suivent, il parle de son unicité d'une manière ou d'une autre. Regardez, lorsque Allah Azza wa Jal dit « Inna a'tainaka » le kawthar, là il a utilisé le pluriel. « Inna a'tainaka al kawthar » Donc dans l'esprit de quelqu'un, il peut dire, ben, là il parle de pluriel, c'est qu'ils sont nombreux, plusieurs divinités. « Fasallili li le rabbika » Et là il a parlé au singulier. « Prie pour ton Seigneur » pour lever l'ambiguïté qui peut s'installer dans l'esprit de qui que ce soit. Et dans cette sourate, c'est exactement la même chose. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim singulier bi idni rabbihim min kulli amr. Donc toujours lorsque le pluriel est cité, il y a toujours un verset qui va venir pas plus loin pour ce qu'on appelle taqyid, pour montrer qu'il ne s'agit que de l'unique. C'est lui qui parle. Donc l'ambiguïté ne s'installe pas dans votre esprit. Donc Allah Azza wa Jal, donc il parle, il peut se permettre de parler au pluriel puisqu'il est le roi par excellence, le majestueux par excellence, et c'est pour cela qu'il utilise le pluriel. Et aussi c'est pour montrer l'importance de ce dont il va parler. Lorsqu'il veut parler de l'importance de ce dont il va parler, il utilise le pluriel. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, inna arsalna nuhan ila qawmihi. Donc c'est toujours pour montrer l'importance de ce qui va être cité. Et ici, puisqu'il parle du Coran, et donc il va parler au pluriel. Inna nahnu nazzalna dhikra. C'est pour montrer l'importance du Coran. Là pareil. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Alors, on peut se poser aussi une autre question. Inna, c'est une bonne utilisation, mais pourquoi il n'a pas dit nahnu anzalnahu fi laylatil qadr? Nous l'avons descendu. Nahnu, c'est aussi un terme qui peut s'utiliser ici. Nahnu la inna. Ça veut dire à peu près la même chose, de premier abord. Alors, si Allah Azza wa Jal a dit nahnu, il y a une différence avec inna. Inna est composé de deux mots. N'est-ce pas? Il est composé de inna, sans le alif. Et il y a ad le alif qui revient à celui qui parle, du mutakallim. Donc c'est deux mots. Alors que lorsqu'on dit nahnu, là il s'agit d'un seul mot. Inna, donc lorsqu'on parle de si on veut subdiviser, donc inna, donc il y a le inna d'abord. Donc inna, comment on l'appelle? Harfu tawkid. Donc c'est une particule d'insistance, de confirmation et d'insistance. Et ensuite inna l'alif, inna l'alif. Alors, il parle de lui. Donc c'est pour ça que dans la traduction on dit « Certes, nous l'avons descendu » ou là « Certes, nous avons fait descendre ». Donc « Certes » là, elle donne la confirmation et l'insistance dans ce qu'il va annoncer comme information. Alors que lorsqu'il avait dit « Nahnu anzalnahu », ça ne donne pas d'insistance, ça ne donne pas de force à la phrase. Voilà pourquoi l'utilisation de « Inna »
est plus appropriée que l'utilisation de nahnu dans ce verset. Alors, l'autre chose, c'est que lorsque Allah Azzawajal utilise inna, là il donne de la valeur à ce qui a été descendu, qui est le Coran. Et lorsque Allah Azzawajal dit nous l'avons fait descendre, toujours la descente se fait du haut vers le bas. Et là, il y a un grand débat entre les savants au niveau de l'aqida concernant l'élévation de Dieu, parce qu'il y a certains mouvements doctrinaux qui ne reconnaissent pas l'élévation de Dieu, ce qu'on appelle le ulou Allah Azza wa Jal. Il y a une grande divergence entre les savants, certains s'accusent les uns les autres, mais toujours est-il que dans cette utilisation là il l'a, donc forcément la descente se fait du haut vers le bas, ce qui montre que celui qui a fait descendre est vers le haut, il est dans l'élévation. D'accord ? Il est dans l'élévation. Donc ça va dans le sens de l'élévation de Allah Azza wa Jal et de cet avis qui prime sur l'autre avis qui dit qu'on ne parle pas d'élévation. Parce que les autres, ils disent que lorsqu'on parle d'élévation, c'est comme si on situe Allah Azza wa Jal par rapport à un espace. Et on n'a pas le droit de situer Allah Azza wa Jal par rapport à un espace parce que c'est lui qui a créé l'espace. Mais là, bon, comme vous voyez, ça c'est des interprétations qui relève un petit peu de la philosophie, c'est pour cela qu'il ne convient pas d'entrer dans ce détail, même si l'intention est bonne, toujours restant sur ce qu'a dit le Coran dans son apparence. Alors donc là, Azza wa Jal nous informe qu'il a fait descendre le Coran la nuit d'Al-Qadr. Et là, la question se pose, ça veut dire quoi il a fait descendre le Coran? Est-ce qu'il a fait descendre tout le Coran, ou est-ce qu'il n'a fait descendre qu'une partie du Coran? Et là, les savants ont divergé. Mais on va voir qu'ils ont tous raison. Certains disent que, comme l'imam Shabi, rahimahullah, ils disent ce sont les premiers versets qui ont été révélés. Ça veut dire les cinq versets qui sont cités dans la sourate précédente, sourate Al-Alaq. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, ça veut dire ces cinq versets qui sont cités dans sourate Al-Alaq, nous les avons descendus fi laylatil Al-Qadr. C'est ça la descente. Donc cette descente s'est faite vers la terre. Vers la terre, et plus précisément vers au niveau de Ghar Hira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retranchait. Et bien entendu, c'était Jibril alayhi salam qui lui a transmis ce Coran. Et ensuite, Jibril a continué de faire descendre par ordre de Allah Azza wa Jal le verset au fur et à mesure pendant les 23 ans de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis, et c'est celui notamment de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, dit, c'est que la descente, c'est tout le Coran a été descendu fi laylatil qadr. Tout le Coran complet, tout au début. Ça veut dire la nuit même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait recevoir les cinq premiers versets. Le Coran était déjà prêt. Il était déjà prêt. Le Coran n'a pas attendu, je n'ai pas attendu que les événements par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer aient lieu pour révéler les versets. Le Coran était déjà prêt puisque Allah Azza wa Jal, avec son savoir, il cerne ce qui va arriver dans l'avenir avant même qu'il ne crée les cieux et la terre. Donc ce Coran-là a toujours existé sous cette forme que nous voyons aujourd'hui. Et il a été descendu vers le premier ciel le jour de Laylat al-Qadr, la nuit de Laylat al-Qadr, et la même nuit, cinq versets de ce qui a été descendu de ce Coran-là ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, durant les 23 ans de la prophétie, les autres versets ont commencé à descendre du premier ciel vers la terre. Donc en fait, il y a deux descentes. La première descente du Coran complet jusqu'au premier ciel, et ensuite la descente progressive des versets coraniques pendant 23 ans. Et donc cet avis-là, quelque part, il englobe le premier avis. Il englobe le premier avis puisque lui-même, il dit les cinq premiers versets ont été révélés la même nuit, mais tout le Coran est descendu au premier ciel. Ceux qui ne l'adoptent pas cet avis, ils disent, mais lorsqu'on parle de la descente, celui qui écoute, qu'est-ce qui va passer par son esprit? C'est la descente sur terre. Parce que celui qui écoute, il est sur terre. Donc la descente est censée être sur terre. Donc pourquoi
parler du ciel. Les autres rétorquent en disant que chez les Arabes, et chez tout le monde d'ailleurs, lorsque par exemple quelqu'un part en voyage, lointain, dans un voyage lointain, et qu'il rentre, lorsqu'il se rapproche de sa ville de résidence, on dit il est rentré. Par exemple, vous avez voyagé je ne sais pas où, et vous êtes rentré, vous êtes arrivé à hauteur de Pantamousson, tu arrives, ta famille vont dire, c'est vous, ta famille va dire, bah, ça y est, papa est rentré. Même s'il est encore à Pantamousson, il n'est pas encore parvenu jusqu'à chez lui, mais on dit qu'il est arrivé. C'est comme lorsque le professeur Asma a accompli l'immigration, il s'est arrêté à Quba. Et Quba, il n'est pas lointain de Médine. Mais on considérait qu'il était rentré à Médine. Tout le monde a considéré qu'il est venu à Médine. Sauf qu'il n'est pas arrivé à le lieu final de son voyage, mais on considère qu'il est déjà à Médine. Donc le fait de dire qu'il est au premier ciel, et sachant que rien que le premier ciel, il est énorme, c'est là où il y a les astres, alors imaginons les autres cieux, donc le fait qu'il soit parvenu au premier ciel, c'est comme s'il est venu sur terre, il est proche tout de suite sur terre. Ça c'est la première réponse. Et la deuxième, comme on considère que les cinq premiers versets ont été révélés le jour même, donc ça, il est descendu au premier ciel et tout de suite après il est descendu sur terre. Donc lorsqu'il a dit nous l'avons fait descendre, c'est une descente sur terre aussi. Donc il n'y a pas de contradiction en énonçant ce genre d'avis. Alors par ailleurs, on sait très bien que le Laylatul Qadr se situe dans quel mois? Le mois du Ramadan. Comment on le sait? Ben parce que le Coran a été descendu le mois du Ramadan, parce que le Coran lui-même le précise. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an bayyinatin min al-hud. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Lui-même il annonce que c'est le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc en faisant le lien, puisqu'il le Coran lui annonce que ça il a été révélé pendant le mois du Ramadan, et Allah annonce qu'il a été descendu dans la nuit du Qadr, donc la nuit du Qadr ne peut se situer que pendant le mois du Ramadan. C'est pour cela que la vie d'Abdullah ibn Saoud, lui, il dit que le Qadr se trouve dans toute l'année. Et c'est parmi les avis un peu marginaux d'Abdullah ibn Saoud. Le Qadr, il dit, se trouve dans toute l'année. Et tu peux la chercher dans toute l'année. Et beaucoup ont critiqué cet avis, mais certains ont essayé de comprendre ce que voulait dire Ibn Mas'ud radiallahu anhu, ce qu'il voulait dire quand tu ne te limites pas seulement à la recherche pendant Ramadan, c'est le cœur Ramadan où tu vas veiller toute la nuit. Veiller la nuit, ça se fait tout au long de la nuit. Et ça rejoint un petit peu ce qu'a dit un grand adorateur. Il a dit Kullu layalina laylatu qadrin walhamdulillah. Toutes les nuits sont des nuits de l'Qadr, alhamdulillah. Ça veut dire qu'on passe toutes les nuits à veiller et à prier, comme si c'était l'Aylat al-Qadr. Kullu layalina l'Aylat al-Qadr. Donc c'est ce que voulait dire Ibn Mas'ud, c'est d'inciter les gens à prier pendant toute l'année, comme s'ils étaient en train de chercher l'Aylat al-Qadr dans l'année toute entière, et ne pas attendre être calculateur et attendre seulement le mois du Ramadan. Donc cette explication-là permet de ne pas remettre en cause la parole de Ibn Mas'ud radiallahu anhu, parce que ce genre de détails ne peut pas échapper à un compagnon de sa grandeur et de sa stature. Alors, il est fort probable, d'après les savants, que les musulmans, avant la révélation de cette sourate, ne connaissaient pas que cette nuit-là s'appelait Laylat al-Qadr. C'est Allah Azza wa Jalla qui lui a donné ce nom-là dans cette sourate-là. C'est là où Allah Azza wa Jalla leur a montré l'importance de cette nuit. Après, on diverge entre ceux qui disent cette nuit a toujours existé et elle avait toujours de la valeur auprès de Dieu. Allah Azza wa Jalla l'a choisi pour y descendre le Coran au cours d'elle. Et certains ont dit cette nuit n'a acquis sa valeur que parce que le Coran a été révélé en cette nuit. Vous avez compris? Donc certains disent, comme par exemple la Mecque, elle a toujours été un endroit privilégié chez Allah Azza wa Jalla. D'accord? Allah Azza wa Jalla a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit. Il a envoyé Ibrahim à cet endroit pour construire le Kaaba. Mais elle, Mecca, auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est un endroit qui est déjà privilégié, avant même qu'il envoie Ibrahim, avant même qu'il envoie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il les a envoyés au bon endroit, au meilleur endroit.
Donc, Laylatul Qadr avait de la valeur auprès d'Allah Azza wa Jalla depuis toujours. Et Allah Azza wa Jalla l'a choisi pour y descendre le Coran. D'accord ? Et donc, il n'a pas acquis sa valeur avec la descente du Coran. Elle avait cette valeur avant même. Mais Allah Azza wa Jalla l'a encore honoré en lui donnant, en descendant le Coran au cours d'elle. Et certains disent non, c'était une nuit comme toutes les nuits, mais lorsque le Coran y a été révélé, donc elle a acquis la valeur dont le Coran parle. Alors maintenant, on va venir à la question, c'est quoi le Qadr ? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas traduit ce mot-là. Il y a trois avis concernant le Qadr. Le Qadr, c'est un substantif du verbe qaddara, yuqaddiru. Et qaddara signifie décider avec mesure. Décider avec mesure. Alors, selon cette explication, bien entendu, on trouve ceci dans le Coran. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Toute chose, nous l'avons, ou bien nous avons créé toute chose avec mesure. Avec mesure. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Alors, selon cette explication, la nuit du qadr, c'est dans ce cas, la traduction sera la nuit du destin. C'est la nuit où Allah Azza wa Jalla dévoile le destin des créatures, notamment des êtres humains, qui aura lieu l'année qui va suivre cette nuit-là. De cette nuit-là jusqu'à la nuit de l'année prochaine. Donc Allah Azza wa Jalla dévoile à ses anges ce qui va arriver pendant cette année-là. Donc c'est là où le destin, quelque part, est dévoilé aux anges. Pour leur dire, chacun aura un rôle à jouer. Toi, ton rôle, c'est ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Celui qui va s'occuper de la pluie, celui qui va s'occuper de la végétation, celui qui va s'occuper du vent, et ainsi de suite. Tous les groupes des anges reçoivent l'ordre des missions que Allah Azza wa Jalla va leur donner sur tout le long de cette année. Atta rapporte sur Ibn Abbas radiallahu anhuma que Allah Azza wa Jalla décide ce qui aura lieu depuis cette nuit jusqu'à la même nuit de l'année d'après en termes de pluie, de subsistance, de naissance, de décès, ainsi de suite. Et cet avis va dans le sens des premiers versets de Surat Dukhan. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit Hamim wal Kitab al Mubin, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna Mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim, par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Donc, va dans le sens de la distribution de ce qui a été prédestiné pour l'année qui va venir. Alors, selon cet avis, ce n'est pas en cette nuit que Allah Azza wa Jalla décide ce qui va arriver l'année d'après. Non, Allah Azza wa Jalla a déjà décidé ce qui va arriver pendant toute l'existence. Ça a été déjà décidé. Sauf que là, il y a deux petites divergences entre ceux qui vont dire tout a été consigné dans le Lawh al-Mahfouz, dans la tablette protégée, et ensuite Allah Azza wa Jalla va dévoiler seulement ce qui aura lieu l'année d'après. Et ceux qui disent tout est décidé auprès d'Allah Azza wa Jalla, mais il va ordonner l'inscription de ce qui va se passer cette année dans le Lawh al-Mahfouz. C'est deux avis un petit peu qui se rapprochent. C'est-à-dire, ce qui va arriver cette année va s'inscrire dans le Lawh al-Mahfouz, mais lui, il est déjà décidé auprès d'Allah Azza wa Jalla avant même qu'il ne crée le Lawh al-Mahfouz. Le deuxième avis a été rapporté sur l'imam Az-Zuhri. C'est un des chouïrs de l'imam Malik, qui dit la nuit de l'Qadr, c'est la nuit de la valeur et de la grandeur et de l'honorabilité. Laylatul al-azama wa al-sharaf. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit ma qadarullah haqqa qadri, ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. D'accord ? Donc ça, c'est la valeur. Le Qadr aussi se dit de la valeur. Donc dans ce cas-là, le sens va changer. Ça veut dire que c'est la nuit de la valeur, c'est la nuit de l'honneur, c'est une nuit qui est bénie. Et ça va aussi dans le sens des versets de Surat Ad-Dukhan. Et parce que cette nuit-là a énormément de valeur, puisque Allah Azza wa Jalla lui-même dit que les anges descendent en cette nuit-là. Allah Azza wa Jalla dit que cette nuit-là est meilleure que 1000
1000 mois. Donc ça veut dire qu'il a énormément de valeur par rapport à toutes les autres nuits. Donc il a beaucoup de valeur. Donc ça signifie, cette explication aussi se vaut, bien entendu. Et on peut regrouper les deux significations. Les deux sont valables. Et comme on le trouve d'ailleurs dans plusieurs explications qu'on a faites de certains versets. Abu Bakr al-Warraq, rahimahullah, dit « Elle était appelée la nuit de valeur, car c'est en elle qu'un livre à grande valeur fut révélé par un messager qui a une grande valeur, qui est qui ? Qui est Jibril, alayhi salam. Donc c'est une nuit qui a, c'est un livre d'une grande valeur qui a été révélé par un messager d'une grande, par le biais d'un messager d'une grande valeur sur une communauté d'une grande valeur. Wasata. Wasata, parmi les significations de wasata, ça veut dire qu'il y a de la valeur. Qala awsatuhum alam aqul lakum law la tusabbihun, ça veut dire celui qui avait plus d'intelligence et plus de sagesse leur a dit. Awsatuhum, ça ne veut pas dire celui qui avait l'âge médian parmi ses frères. Awsatuhum a une signification dans ce sens-là, ça veut dire le meilleur. Donc pareil, c'est la meilleure communauté. Donc le meilleur livre qui a été descendu par le biais du meilleur ange sur la meilleure communauté, trois fois. Et il dit, c'est pour cela, l'Imam al-Warraq, il dit, c'est pour cela que Laylat al-Qadr a été mentionné trois fois dans cette sourate. Inna anzayna fi Laylat al-Qadr wa ma adraka ma Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadr khayrun min alf shahr. Il a été cité trois fois pour ces trois grandes valeurs. Mais bon, ça c'est seulement un avis. On peut rajouter que le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, a une grande valeur. Donc dans ce cas, on aura quatre. Puisque c'est lui qui a reçu, avant que sa communauté ne le reçoive, c'est lui qui a reçu le Coran. Il y a un troisième avis qui dit que le qadr signifie la restriction. La restriction au niveau de la subsistance. Lorsque Allah Azza wa Jalla, par exemple, dans le Coran, dit « لِيُنْفِقْ ذُو سَاعَةٍ مِنْ سَاعَةٍ » Celui qui a beaucoup d'argent, qu'il dépense de la largesse que Allah Azza wa Jalla lui a donnée au niveau de son argent. « لِيُنْفِقْ ذُو سَاعَةٍ مِنْ سَاعَةٍ » وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مَنْ قُدِرَ c'est كيف يفعل صلى القدر وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ quant à celui qui a une subsistance restreinte, une peu d'argent, qu'il dépense de ce que Allah, conformément à ce que Allah Azza wa Jalla lui a donné, ou proportionnellement à ce que Allah Azza wa Jalla lui a donné. Alors pourquoi dans ce cas on parle de la restriction? Ceux qui ont adopté cet avis disent parce que tellement il y a d'anges qui descend sur terre, qu'ils ne laissent aucune place de libre. Ils remplissent les espaces libres de la terre. Donc les espaces libres vont se restreindre sur terre. Donc c'est la nuit de la restriction. La restriction de l'espace qui est vide et qui était inoccupé par des anges. Donc, et vous voyez aussi que cette explication-là se vaut. Donc trois explications, c'est la nuit du destin, c'est la nuit de la valeur, c'est la nuit de la restriction de l'espace libre. Maintenant, comme je vous avais dit tout à l'heure, l'imam al-Razi, rahimahullah, al-Fakhr al-Razi, il a donné une autre explication de ce verset-là. Au lieu de dire, inna anzalna fi laylat al-qadr, nous avons fait descendre le Coran dans la nuit de Qadr, on peut lire ce verset autrement. Inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Fi ici ne signifie pas le moment. Il ne fait pas référence au moment. Dans ce cas, on va lire le verset autrement. On va le dire. Nous avons descendu du Coran à propos de laylat al-qadr. Nous avons fait descendre du Coran des versets coraniques à propos de laylat al-qadr. À propos de la valeur de laylat al-qadr. Comme dans Surat Dukhan. Et comme dans cette surat-là, j'ai descendu du Coran à propos d'elle, pour montrer sa valeur. C'est pas j'ai descendu lors de la nuit du Qadr. J'ai descendu du Coran à propos de la nuit du Qadr. Que c'est une nuit qui a de la valeur, c'est une nuit dans laquelle les anges descendent, c'est une nuit où il y a la paix. D'accord ? Donc, du Coran à propos de la nuit du Qadr. Ça, c'est une explication qui est un petit peu marginale, qui a été rapportée par Al-Fakhr al-Razi, rahimahullah. Mais elle va aussi dans le sens, elle est correcte. Donc on ne peut pas forcément l'exclure. Mais le premier avis sont
majoritaire et le plus probable. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Qui te dira ce qu'est la nuit de Al-Qadr? Ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? Wa ma adraka. Le kaf ici, c'est le mukhatab. Mais celui à qui Allah Azza wa Jalla s'adresse? Il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et rappelez-vous, on a déjà parlé de wa ma adraka lorsqu'on a parlé de surat Al-Humaza, wa yulikul humazati al-humaza. On a dit que lorsque Allah veut montrer l'importance d'une chose, il dit وَمَا أَدْرَاكَ. Ou pareil, lorsque on a parlé de surat Al-Qari'a, وَمَا أَدْرَاكَ مَا Al-Qari'a, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Donc on a déjà vu ça. Donc là aussi, Allah veut pour montrer la valeur de l'Ayat al-Qadr, il dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Qui te dira ce qu'est la nuit du Qadr? Tu n'as aucune connaissance de sa valeur. Il n'y a que moi qui puisse te mettre au courant de la valeur que je lui ai accordée, de la valeur qu'elle requiert. Donc ça attire la curiosité, l'attention de celui qui entend le verset. Donc c'est quoi sa valeur? Ça doit être une valeur immense et grande. On a adraka laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du qadr est meilleure que 1000 mois. Alors, l'explication qui peut être donnée à ce verset, c'est que l'adoration, ça veut dire qu'on peut le comprendre comme la valeur de la nuit du Qadr est meilleure que la valeur de 1000 mois. Si on cumule la valeur de chaque jour, et ce pendant 1000 mois, qui équivaut à 83 années et 4 mois, Laylatul Qadr a une valeur qui dépasse là. Ça, c'est une première signification. Deuxième signification, c'est les actes adoratifs pendant la nuit du Qadr valent plus en récompense que les mêmes actes lorsqu'ils sont accomplis dans une autre nuit que les lettres al-Qadr. Et ça, c'est un sens qui est beaucoup plus beaucoup plus vrai. Et en plus que l'imam Malik, rahimahullah, dans le Muwatta, il rapporte, il dit sur ceux dont j'ai confiance. Hadith, c'est ce qu'on appelle Balagat Malik. Lorsqu'il dit Balagani, il ne cite pas la chaîne de transmission, mais il dit Balagani. Lorsqu'il dit Balagani, c'est-à-dire ça m'a été, il m'a été rapporté. Et en général, lorsqu'il dit il m'a été rapporté, il y a certains savants qui se sont penchés sur Balagat Imam Malik pour les authentifier. Et en général, lorsqu'il dit Balagani, c'est qu'il fait confiance à celui qui lui a rapporté l'information. Donc, Imam Malik dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de la moyenne d'âge des fidèles de la communauté musulmane. C'est que dans la communauté musulmane, les fidèles ne vivent pas très longtemps. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Abu Hurayra, c'est un hadith qui est bon, sahih, hassan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « A'maru ummati bayna sittina wa sab'in » وقل من يجوز ذلك les âges des fidèles de ma communauté est entre 60 et 70 ans et peu sont ceux qui dépassent cet âge là. Alors bien entendu, lorsque vous voulez prendre une moyenne, vous n'allez pas comparer par rapport aux musulmans qui vivent en Europe, hein? Les musulmans vivent un peu dans le monde entier, donc regardez aussi les pays pauvres et ainsi de suite où les gens meurent, l'espérance de vie est beaucoup très basse. Donc, mais toujours est-il que lorsqu'on fait le cumul, enfin la moyenne de l'âge que vivent les musulmans, on va trouver qu'ils vivent entre 60 et 70 ans. Ça, c'est une règle immuable qui va rester jusqu'à la fin des temps. Mais certains peuvent la dépasser, mais ils sont peu nombreux. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il a sous-estimé l'âge des fidèles de sa communauté par rapport à l'âge des fidèles d'autres communautés. Donc là, Azza wa Jalla, pour le rassurer, il lui a dit, mais j'ai donné un privilège à ta communauté, c'est que l'adoration que peut faire un musulman dans la nuit du Qadr, c'est meilleur que l'adoration que peut faire une autre personne appartenant à une autre communauté pendant plus de 83 ans. Donc quelque part, j'ai contrebalancé cet inconvénient apparent par le fait d'augmenter la valeur de l'Ayat al-Qadr et la valeur des adorations qui vont y être accomplies.
Et ce qui compte, bien entendu, dans notre vie sur terre, ce n'est pas combien j'ai vécu. رب عمر اتسع قلت امداده وقل امده واتسعت امداده. Il se peut qu'une vie, que dans une vie la longévité est courte mais elle est petite, mais les apports sont énormes. Et il se peut que quelqu'un ورب عمر قلت امداده وقلت امداده. Il se peut qu'une vie soit très longue, mais les apports de celui qui l'a vécu sont minimes. Et d'autres savants disent, même là, Allah a voulu que la communauté musulmane vive moins longtemps, c'est un bien pour elle, pour qu'il ne multiplie pas les péchés. Et pour que l'amal, l'espoir dans la longévité ne s'étale pas. Parce que vous aurez, Inch'Allah, 50 ans, je sais si vous vivez d'ici là, la majorité d'entre vous, dès que vous arrivez à 50 ans, vous commencez à voir la mort. Chez les musulmans croyants, 40 ans encore, il dit je suis encore jeune. Dès que tu vas à 50 ans, ça, tu dis ça y est, ma vie est derrière moi. Parce que la majorité, 60, 70, ça va très vite. Et donc, c'est pour que les musulmans se préparent bien pour l'au-delà. Donc là, je n'ai pas voulu leur le donner 200 ans, 300 ans, parce qu'il y a un risque qu'ils commettent beaucoup de péchés. Donc ce n'est pas un inconvénient. Et d'ailleurs, lorsque le moment où on va mourir, que tu aies vécu 100 ans ou 20 ans, là ça revient au même. La sensation, elle est exactement la même. Elle est exactement la même. Hein? Tu ne vas pas dire, ah, on a bien profité, j'ai vécu sur 85 ans, alors que toi, tu n'as vécu que 60. Non, au moment où tu meurs, ça y est, tu oublies tout ce que tu as vécu et que tu ne te rappelles malheureusement que des péchés que tu as commis et des risques que tu encours devant Allah Azza wa Jalla. Alors, Mujahid, rahimahullah, rapporte qu'il y avait un homme parmi Banu Israël qui était un grand adorateur et qui veillait et qui pendant 1000 mois, de 83 ans et 4 mois, il veillait la nuit à prier et le jour à faire le jihad fi sabilillah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de ce que faisait cet homme-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était étonné. Mais en même temps, il disait, c'est dommage pour ma communauté qu'ils ne peuvent pas arriver au degré de cet homme. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla aurait révélé, je le dis au conditionnel, parce que Mujahid ne remonte pas le hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète a entendu, mais il ne dit pas de qui il a entendu. Lui, c'est un tabi'i, il n'a pas dit de quel compagnon il aurait entendu ce récit-là. Et donc là, c'est là où Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, ta communauté, les membres de ta communauté, ont la chance de dépasser cet homme de Banu Israël s'il passe cette nuit-là, s'il veille cette nuit-là à faire du bien, comme par exemple la prière, ou bien l'aumône, ou bien le dhikr, ou la lecture du Coran, et tous les biens que nous connaissons. Mais la Subhanahu wa Ta'ala, al-Fi Shahr. Tanazzalu al-Mala'ikatu wa ar-Ruhu fiha. Là, je vais aller un peu plus vite pour qu'on termine cette sourate aujourd'hui. Tanazzalu al-Mala'ikatu wa ar-Ruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Alors, je vais faire d'une manière télégraphique. Les anges descendent en grand nombre sur terre. Hein? Parmi eux, il y a ar-Ruh. Ar-Ruh ici, c'est Jibril alayhi salam. Il n'y a pas unanimité là-dessus, mais ça, c'est l'avis majoritaire. Alors, pourquoi les anges ils descendent? Alors là, les savants, beaucoup en disent. Certains disent, les anges, lorsque Allah a voulu créer l'être humain, les anges, ils ont un petit peu protesté. Pas protesté dans le sens, protesté dans le sens où cet être humain, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Vas-tu mettre sur terre une créature qui va semer le désordre et qui va faire répandre le sang, alors que nous on te glorifie tout? Et lorsque les anges voient comment les musulmans veillent cette nuit à réciter le Coran, à demander pardon à Dieu, à adorer, et ils demandent l'autorisation à Allah Azza wa Jalla en lui disant, est-ce que tu nous autorises à descendre sur terre, saluer ces gens-là, à propos desquels on a eu une mauvaise appréciation? Là, on pensait qu'ils vont faire que du mal. Et là, les voici. Et les mosquées sont remplies pendant le mois du Ramadan. Les gens jeûnent pendant la journée. Ils veillent pendant la nuit. Ils lisent le Coran. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on s'est trompé sur leur sort. Et est-ce que tu autorises à descendre les saluer?
Hein? C'est pour, c'est ça, certains disent, c'est ça, bi'idni rabbihim, par la permission de leur Seigneur. Donc là, je leur dis, je vous donne l'autorisation d'aller les saluer sur terre. Donc c'est comme s'ils descendent pour s'excuser auprès des croyants, pour dire, vous avez été à l'encontre de ce qu'on a pensé sur l'être humain. Puisque vous êtes bon en ce mois-ci, vous avez jeûné, vous êtes attaché à la parole de Dieu et vous avez quitté les péchés, donc on descend pour vous saluer. Imaginez si vous mettez ça dans votre esprit pendant le ramadan, que les gens descendent pour te saluer. Et vous imaginez un musulman qui va dormir pendant la nuit probable de Laylat al-Qadr alors que les gens descendent pour le saluer. Et certains disent, si Allah Azza wa Jalla a privilégié Ibrahim alayhi salam en lui ayant envoyé trois anges qui l'ont salué, qalu salama, qala salamun qawmun munkarun, les trois anges qui sont venus, il leur a dit salam. Là, Allah Azza wa Jalla a privilégié la communauté musulmane en faisant descendre énormément d'anges pour les saluer pendant cette nuit-là. Il a donné ce privilège à Ibrahim alayhi salam et il l'a donné à la communauté musulmane. Et cette fois-ci, ce n'est pas que trois anges qui viennent leur faire salam. C'est des anges qui remplissent la terre et qui continuent à descendre et à remonter pendant toute la nuit. Salam li hatta maklai, jusqu'à le lever de l'aube. Quel privilège ont les musulmans. Mais encore faut-il le saisir et le comprendre et profiter de cette nuit-là pour se rapprocher de Allah Azza wa Jalla et montrer le meilleur de nous-mêmes. D'autres disent, les anges descendent pourquoi ? Ils disent, le croyant cherche toujours l'endroit et le moment où son adoration sera le plus récompensée. C'est pour cela que nous, on espère toujours aller à la Mecque. Pourquoi ? Parce que j'aimerais bien prier le haram, le Mekki. Pourquoi ? Parce que c'est là où ma prière va être doublée. Combien de fois ? 100 000 fois. D'accord ? Donc toujours, on aspire à aller dans les endroits où la récompense est très grande. Donc là, en fait, cette nuit-là, là où il y a le plus de récompense, ce n'est pas dans le ciel. Pour cette nuit précise, là où il y a le plus de récompense pour l'adoration, ce n'est pas dans le ciel. C'est sur terre. Et donc c'est pour cela que les anges disent à Dieu, Seigneur, autorise-nous de descendre sur terre, parce que c'est l'endroit, aujourd'hui, c'est le seul endroit où il y a le plus de récompenses. Et on veut descendre pour partager cet endroit avec les êtres humains, et pour qu'on puisse gagner le maximum de récompenses. Et Dieu les autorise d'aller descendre sur terre, à côté de leurs frères musulmans. Regardez aussi cette symbolique-là. D'accord ? Donc il vient vers, c'est le seul endroit, le meilleur endroit en cette nuit-là, c'est la terre. Donc c'est pour cela qu'il demande l'autorisation d'y descendre. Tanazzalu al-mala'ikatu. Et donc d'autres disent, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il fait descendre les anges. Pourquoi ? Pour que nous soyons les plus parfaits dans notre adoration. Parce que toi tu fais la prière tout seul. Il y a une manière de la faire. N'est-ce pas ? Lorsque tu as quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu vas la faire de la même manière ? Non, tu vas la faire mieux. Imagine maintenant qu'à côté de toi, c'est un savant qui vient, un grand savant, qui vient et qui prie à côté de toi. Là, tu vas faire très attention. Là, tu vas montrer le meilleur doucement parce qu'il est à côté de moi, donc je vais faire. Et tu sens quelque chose, une motivation et tout. Donc là, pour donner de sa bénédiction aux croyants, il leur dit, je vous fais descendre les anges pendant toute cette nuit-là pour que vous ayez le courage de veiller cette nuit-là. Et c'est pour ça, celui qui va aller dormir, tu sais, quand je vais me reposer, eh bien, il n'a rien compris. Dieu lui a tout fait pour le motiver, pour l'inciter, pour lui donner encore plus de courage à veiller, et lui, il va dormir. C'est qu'il n'a absolument rien compris. Donc c'est pour honorifier les musulmans qui ont jeûné pendant ce mois-ci, que Allah Azza wa Jalla fait descendre ou autorise aux anges de descendre afin d'accompagner, motiver et inciter les musulmans à montrer le meilleur d'eux. Tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha. Ar-ruh, comme on l'a dit, c'est un mot qui est polysémique dans le Coran, qui peut avoir plusieurs significations. Ar-ruh se dit du Coran. Kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Ar-ruh se dit du Coran. Et certains disent Tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha, ça veut dire le Coran. Lui aussi, il est descendu, il descend ce jour-là. Certains ont dit ça dans cette explication. Ruh se dit de Isa alayhi salam. Il y a même certains qui ont dit Isa alayhi salam demande à Dieu l'autorisation parce qu'il est vivant.
Il n'est pas mort, il est vivant. Et il demande à Dieu de venir jeter un œil sur l'adoration des musulmans. Parce que sa communauté a déraillé et il vient voir la communauté qui est restée sur l'authenticité du message. Et c'est la communauté musulmane. Certains ont donné cette explication, c'est Jésus. Certains ont dit, Ruh, c'est un ange particulier qui a un honneur immense. Mais alors, qui d'autre à part Jibril? Pour nous, on ne connaît que Jibril. Certains disent que c'est une catégorie d'anges, les meilleurs anges. On les appelle Ruh, comme une catégorie d'anges. Les meilleurs anges descendent sur terre ce jour-là. Alors, ça va dans le sens. De toute façon, si on dit que Jibril lui-même descend, raison de plus que les autres descendent, n'est-ce pas? Parce que Jibril fait partie des meilleurs anges et l'Azoujou n'a cessé de le citer dans le Coran. Certains disent que Ruh, c'est la miséricorde de Dieu. Ainsi que la miséricorde de Dieu. Et là, il se réfère au verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit « La tayasu min rawhillah » Donc, ces rouhs, ils l'ont rapporté à Ruh. « La tayasu min rawhillah » Donc, ainsi que la miséricorde de Dieu. Mais l'avis le plus probant, le plus majoritaire, c'est que Ruh, ici, c'est Jibril, alayhi salam. On peut dire, dans le Coran, parfois, Allah Azza wa Jalla cite les anges, et ensuite, Ruh. Parfois, il cite Ruh et ensuite les anges. Yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan. Ici, il commence par Ruh, par Jibril. Yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamu. Mais dans plusieurs autres versets, il commence par les anges hein, et ensuite Jibril. Pourquoi? Certains disent que lorsqu'il s'agit d'un mouvement des anges, il commence par citer les anges et ensuite il spécifie Jibril alayhi salam. Mais lorsqu'il s'agit d'un endroit où Allah Azza wa Jalla parle des anges sans qu'il n'y ait un mouvement particulier, et c'est le qiyam, il n'y a pas de mouvement ici, il n'y a pas un mouvement, un déplacement. Lorsque Jibril se dressera ainsi que les anges. Donc ça veut dire, là lorsqu'il n'y a pas de mouvement, il commence par Jibril alayhi salam. Et ensuite les anges. Mais lorsqu'il y a un déplacement, il commence par les anges et ensuite il spécifie Jibril alayhi salam. Alors, Yawma, Allah Azza wa Jalla dit Tanazzalu al-Malaika. Il n'a pas dit Tanzilu al-Malaika. Il a dit Tanazzalu. Il n'a pas dit Tanzilu. Il n'a pas dit Tatanazzalu. C'est trois. On pouvait dire Tatanazzalu. Il aurait pu dire Tanzilu, mais lui, il a dit Tanazzalu. Quelle est la différence entre ces différentes utilisations? Tanzilu, Allah Azza wa Jalla l'a utilisé quand s'agissant des anges. Allah Azza wa Jalla dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Alors il a dit Tatanazzalu alayhim al-mala'ikatu alla takhafu. Ceux qui ont dit notre Allah est notre Seigneur et ensuite ils ont montré de la rectitude, les anges descendent sur eux pour leur dire la takhafu, n'ayez pas peur, ou la tahzanu, ne soyez pas affligés. Cette descente, elle se fait quand? Elle se fait au moment de la mort. Or, la mort des croyants, elle se fait tous les jours. Donc la descente des anges, pour ce genre de croyants, ceux qui ont ce profil-là, elle se fait toute l'année. Donc dans ce cas-là, puisqu'il se fait toute l'année, il a utilisé tatanazzalu. Tatanazzalu. Donc il a rajouté ici le ta. Mais s'agissant de la descente des anges lors de Laylat al-Qadr, il n'y a qu'une seule nuit dans l'année. Il n'y a qu'une seule nuit dans l'année. Dans ce cas, il a enlevé un ta. Et c'est pour ça que les savants disent Az-ziyadatu fil mabna tadullu ala az-ziyadati fil ma'na. L'ajout dans la construction de la phrase ou du mot implique l'ajout dans la signification. Donc lorsqu'il a dit tanazzalu, ça veut dire qu'il y a une descente toute l'année. Tanazzalu, ça veut dire qu'il y a une descente une fois par an. C'est une descente spéciale et spectaculaire en cette nuit bien précise. Et l'autre chose, c'est que pourquoi il n'a pas utilisé tanzilu? Donc là, c'est la différence entre tanazzalu et tanazzalu. Il aurait pu dire aussi tanzilu. S'il a dit tanzilu, ça veut dire que la descente se fait d'un seul coup. Tanzilu al-mala'ikatu, ça veut dire qu'elle descend d'un seul coup. Ce qui est impossible. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla dit, le prophète sallallahu alayhi dans un hadith, le ciel risque d'exploser et on peut comprendre qu'il risque d'exploser parce qu'il n'y a pas un endroit sans qu'on y trouve un ange qui est prosterné ou qui est en train de prier. Alors imagine le ciel qui est beaucoup plus grand
que la terre, et il n'y a pas un endroit sans trouver un ange qui est en train de prier. Vous imaginez sur terre, est-ce que ces anges-là peuvent descendre tous sur terre d'un seul coup? C'est impossible. Si déjà ils remplissent le ciel, et le ciel est plus grand que la terre, donc la terre ne leur suffira pas. Donc c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla a utilisé tanazzalo. Tanazzalo, non pas tanzilo. Ça veut dire que la descente se fait progressivement par groupe. Un groupe qui descend et il remonte pour laisser la place à un autre groupe pour descendre, parce que la place ne suffit pas à tous les anges qui sont dans le ciel. Donc la descente se fait par groupe et non pas d'un seul coup. Et il n'a pas dit tanazzalo parce que tanazzalo se dit lorsque ça se fait tout au long de l'année. Alors qu'ici tanazzalo, il a enlevé le ta. Ça veut dire que ça montre une restriction dans le moment de la descente. Ici, il n'y a qu'une seule descente par an, c'est lors de Laylat al-Qadr. Min kulli amr, tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim. Donc par la permission de leur Seigneur, on a expliqué c'est quoi la permission, parce qu'ils demandent la permission de l'Allah Azzawajal. Min kulli amr, pour tout ordre. Alors là aussi, les savants ont divergé pour expliquer ce. Ça veut dire quoi, min kulli amr? Certains disent que chaque ange descend cette nuit-là pour réaliser, avec l'ordre que Allah Azzawajal lui a donné, et qu'il doit réaliser pendant cette année-là, puisque c'est dans cette année-là, l'année qui va suivre, puisque c'est dans cette année-là, on a dit que Allah Azzawajal a distribué ce qui a été prédestiné pour tout le monde en cette nuit-là. Donc chacun descend pour saluer bien entendu les croyants, et avec lui il y a la mission qui lui incombe pendant l'année qui va venir. Avec l'ordre que Allah Azza wa Jalla lui a donné. Ça, c'est une explication qui a été donnée. Et certains disent qu'ils descendent par la permission de Dieu qui est de tout ordre. Admin kulli amr revient à Dieu, à Rabbihim. Rabbihim, ça veut dire c'est lui qui gère toute chose. Rabbihim, qui est de tout ordre, qui décide de toute chose. Donc ça ne revient pas aux anges, mais il revient au Seigneur des anges, à Allah tabaraka wa ta'ala. Salamun hiya hatta makla'il fajr, et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Plusieurs explications ont été aussi données à salamun hiya hatta makla'il fajr. Première explication, c'est que les anges vont saluer les croyants qui vont prier et qui vont veiller cette nuit-là, et cette salutation va continuer jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'au lever de l'aube, jusqu'au lever de l'aube. Ça veut dire, et certains disent, la prière de l'aube entre dans cette spécification. Jusqu'à ce que tu pries, la prière de l'aube, l'heure de l'aube entre bien. La deuxième signification, c'est que l'ordre de Dieu cette nuit n'est que paix pour croyants. Salamun, salamun tarji'u ala, il va revenir sur, et c'est pour ça que je vous avais dit, pour certains lecteurs, ils disent que le verset 4, en fait, c'est deux versets. Tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha. فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام من كل أمر سلام. Il considère ça, c'est un verset. عاد هي حتى مطلع الفجر. Elle dure jusqu'au lever de l'aube. من كل أمر هي سلام. Ça veut dire que Allah Azza wa Jalla n'a décrété que le bien pour les croyants qui ont veillé cette nuit-là. N'a décrété pour les croyants que du bien. Donc salam ici revient à ce qui a été décrété pour les croyants qui veillent cette nuit-là. Ça, c'est une explication aussi qui se vaut la valeur. L'autre explication, c'est que Allah Azza wa Jalla ordonne aux croyants de répondre salam entre eux pendant toute cette nuit. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Je vous demande de faire répondre à salam jusqu'au lever de la nuit. Salam entre vous ou salam à travers la prière sur les anges, entre vous, lorsque tu dis salam alaikum, salam alaikum, tu salues ceux qui sont à tes côtés et tu salues aussi les anges. Donc, multiplier salam pendant cette nuit-là à travers les prières et à travers les salutations fraternelles. Alors, pour terminer, et là je vais aller très très vite, il y a eu une divergence bien entendu sur l'identité de Laylat al-Qadr, donc vous le savez tous. Ibn Hajar al-Asqalani, dans Fath al-Bari, il a cité pas moins de 50 avis. 50 avis. Allons des plus spectaculaires, celui qui dit Laylat al-Qadr n'existe plus maintenant. Ça, c'est un avis qui a été dit. Laylat al-Qadr a été levé avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'existe plus maintenant. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Laylat al-Qadr est fini. Il n'existe plus. Ça, c'est un avis parmi les 50. Mais la majorité écrasante disent non. Laylat al-Qadr continue
d'exister. Après, en quel jour elle est? Beaucoup ont dit c'est la nuit du 27. Il y a des hadiths qui vont dans ce sens, mais n'ont pas assez d'authenticité pour le prendre en compte. Mais on se base sur la parole de Ibn Abbas, où on a rapporté sur lui qu'il a dit, Allah Azza wa Jalla a cité Laylatul Qadr combien de fois dans cette sourate? Trois fois. Trois fois il a cité. Et Laylatul Qadr, cette phrase-là, elle est composée de combien de lettres? Laylatul Al-Qadr. Combien de lettres? 9. 9 fois 3, 27. Ibn Abbas, il a fait ce calcul. Il a dit, il l'a cité 3 fois, et Laylatul Qadr est composé de 9 lettres, donc ça en fait 27. C'est un avis. Voilà. Certains disent, on va compter le nombre des mots qui ont été cités. Inna anzalnahu fi laylati. Et lorsque tu vas arriver à Hiya, Salamun Hiya, elle, tu vas trouver 27. Donc c'est pour cela qu'ils ont dit que c'est le 27e jour. Et Ibn Abbas aussi a dit, Allah Azza wa Jal est witr, il est impair, et il aime ce qui est impair. Mais le chiffre impair qu'aime le plus Allah Azza wa Jal, qui a le plus de symbolique, c'est le 7. Les 7 cieux, les 7 terres, 7 tours autour de Kaaba, ainsi de suite. Donc il dit, donc ça ne peut être que le 7, le chiffre 7 doit exister, donc ça ne peut être que le 7e, le 17e ou le 27e. Mais puisqu'il y a des hadiths qui disent qu'il se situe dans les 10 derniers jours du Ramadan, donc ça ne peut être, le chiffre qui, la nuit qui porte le 7, c'est la 27e nuit. Donc ça c'est ceux qui sont allés dans ce sens. Le Hassan al-Basri rahimahullah dit qu'il se situe la nuit du 17e, c'est la nuit du 17e jour de Ramadan, puisque c'est là où a eu lieu la bataille de Badr. Et comme c'était une bataille qui a discerné entre le bien et le mal, façon, donc ça ne peut être que cette nuit-là. Ça, c'est un avis de Basri. Certains ont dit qu'elle est cachée dans les 5 derniers jours impairs des 10 derniers jours de Ramadan. Ça veut dire la nuit du 21, 23, 25, 27 et 29. Ça fait combien? 5. Au même nombre que les versets de cette sourate. Il y a 5 versets de cette sourate, 5 nuits. Donc ils font ce rapprochement. D'aucuns disent qu'elle est cachée dans tout le mois du Ramadan. Allah Azza wa Jalla l'a cachée. Certains disent qu'il l'a cachée seulement dans les 10 derniers jours et dans les jours impairs. Comme Allah Azza wa Jalla a fait pareil pour son nom glorieux, comme il l'a fait pour l'heure où il exauce les vœux pendant la journée du Ramadan. Comme il l'a fait pour le jour de notre mort de chacun de nous, pour que chaque croyant continue d'œuvrer bien comme il le faut et ne soit pas calculateur. Donc c'est pour que le musulman s'active pendant tout le mois de Ramadan, ou du moins les 10 dernières nuits, ou du moins les 10 dernières nuits impaires, afin de coïncider avec elles. Et ça c'est de Rahmat Allah. Juste comme Allah Azza wa Jalla a caché la prière médiane, la Salat al-Wusta. Même si les savants, la majorité dit que c'est Salat al-Asr, les Malikites disent que c'est Salat al-Subh, et il y a un avis qui est regroupé entre les deux avis, où ils disent que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique a dit que c'est Salat al-Asr, mais après ce hadith a été abrogé. Allah Azza wa Jalla a voulu la rendre inconnue. Et là aussi, il y a énormément de d'avis qui ont été donnés pour expliquer ce qu'est la prière médiane. Et il y a l'avis aussi spectaculaire qui a été rapporté sur Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qui dit qu'il est dans l'année, toute l'année, mais on vous a expliqué tout à l'heure que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la parole de Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Toujours est-il, pour terminer, c'est que le croyant doit savoir la valeur de cette nuit-là. Donc là je s'est focalisé sur la nuit et non pas sur le Coran, puisque le Coran va se focaliser sur son importance dans Sourate Al-Bayyinah et sur les premiers versets dans Sourate Al-Alaq. Mais ici, il parle de la nuit qui a été bénie par la descente de ce Coran. Voilà pourquoi le musulman doit donner de l'importance à ce Coran pendant ce mois béni, à travers la prière, à travers la méditation, à travers la lecture, la récitation, et à travers l'étude, surtout, de ce Coran. نفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لعمل الخير والخير عمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين